Salut à tous les amis, c'est Sephiroth654 et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de l'édition premium de BioShock Infinite sur PS3. Voilà la bête, j'ai réussi à l'avoir en avance. Donc pour ceux qui sont dans la région de Pau, il est dispo New Life Game, donc ils ont quelques éditions, donc n'hésitez pas. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Dans l'édition premium, il y a le livre d'illustration d'édition limitée, figurine du handyman, lithographie baiser du diable, porte-clés corbeau meurtrier, bande de son numérique, amélioration, thème pour PlayStation Network. Et bien allez, c'est parti. Hop. Alors au début, j'étais parti sur l'édition Songbird avec la figurine du griffon. Et puis je me suis dit que ça faisait un peu cher pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Surtout que bon, c'est l'édition premium, sauf qu'il y a la figurine en plus. Donc, il y a la possibilité de l'avoir un peu plus tôt, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, il y a ça. Tchac. Donc là-dedans, on a quoi? The Handyman. Donc ça doit être... Ah ouais, ouais, c'est vraiment une petite figurine, hein. Voilà, voilà la bête. Là. Ensuite, donc on a le jeu. BioShock Infinite. Ça, c'est le thème pour le network. Ça, c'est des packs exclusifs. Pareil à télécharger. Pour télécharger la musique originale du jeu. Une carte postale Lies Away with Devil Kiss. Sympathique. Voilà. Un steelbook. J'ai fait le premier, le 2, j'ai adoré le premier, le 2 aussi même pour moi. Et donc apparemment, vu les critiques et tout, celui-là c'est une merveille, donc voilà. Le savourer comme il se doit. Voilà, et donc vous avez plein de commentaires. Voilà, voilà, avec les armes. Un petit porte-clé. Un petit porte-clé sympa. Hop. Tchac. Et donc voilà, on arrive au bout. Donc ça. Le petit artbook. Le jeu. La petite figurine, le porte-clés et la carte postale. Donc voilà, et bien j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end et puis à plus. Voilà, allez, bye bye à tous.